attention, ça arrive à tout le monde. Ça n'arrive pas à un maître. Cet exil commence à te peser malgré tout. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai plus important à faire. Oh, génial. Ça t'apprendra à ne pas m'écouter. Salutations voyageurs! Dans cette vidéo, je vais survivre 100 jours en hardcore dans l'End. Cette vidéo fait suite aux 200 jours en super flat et plus généralement fait partie de la série de vidéos sur Minecraft que vous pouvez retrouver ici. Et sans plus attendre, il est temps d'entrer dans la dimension d'Endy, la dimension la plus hostile et la plus vide de ce monde. Et en parlant de dragons, cette vidéo est sponsorisée par Dragoness Island Gods, un RPG énorme tout juste sorti du four avec un contenu juste abusé. À quel moment un monstre pareil tourne sur mobile, ça m'épate. Choisissez votre nom, voyageur. Ouais, c'est de la bonne. Pour vous donner une idée, on est sur un jeu de rôle au gameplay très donjon et dragonisant, avec des jets de dés, une histoire entièrement narrée avec de vrais choix, plein de personnages qui interagissent entre eux et que l'on peut recruter ou pas. En fait, avec votre personnage principal, votre équipe n'a que 5 places en tout temps, et le nombre de héros à recruter avoisine les 200 avec chacun leurs stats, leurs caractéristiques et leurs personnalités. Et ils interagissent entre eux. Il y a vraiment une liberté absurde en termes de composition d'équipe pour vraiment jouer de la manière que l'on veut, et vous en aurez besoin. Si vous y allez sans réfléchir avec un playstyle de bourrin comme moi, les mobs vous rappelleront très vite quelle heure il est. Tout ça pour dire que l'on est sur une expérience de RPG vraiment complète, des dialogues doublés, un système de combat bien pensé, une histoire à embranchement, il y a même du craft et des waifus. Et c'est pas vraiment étonnant, c'est la boîte qui est derrière Marvel Snap, qui a gagné l'award du meilleur jeu mobile en 2022 avec plus de 30 millions de téléchargements. Donc ouais, ils savent ce qu'ils font. Le jeu est bien évidemment gratuit et vous pouvez le télécharger dès à présent en cliquant sur le lien en description ou en scannant le QR code ici. Et n'oubliez pas d'utiliser le code promo Dragonair EU pour obtenir des cadeaux in-game. Le jeu est disponible sur Windows, Mac, Epic Games Store, iOS et Android. Me voilà dans un environnement lunaire. Contrairement au Nether, il n'y a pas d'arbres, seulement des grandes plantes violettes. On ne peut rien faire avec à moins de les faire cuire, et il n'y a pas de pierre ici, donc pas de four. Au moins, elles sont mangeables, et c'est l'unique source de nourriture dans l'End. Malheureusement, elle a la fâcheuse tendance de me téléporter à chaque bouchée. Je ne peux récupérer aucun bloc à part les fleurs de ces mêmes plantes, mais la plupart sont trop hautes et ne drop pas en cassant la plante par le bas. On part donc sur une survie sans possibilité de crafter quoi que ce soit, avec une source de nourriture plus que douteuse. Je dois trouver une forteresse le plus vite possible, je n'ai aucun autre moyen de m'équiper. Si je regarde droit vers le sol, c'est pour éviter les regards des Endermen. Chacun d'entre eux peut m'arracher la tête en 3 attaques. Il faut donc être plus intelligent. J'ai frappé le sol livide de cette île maudite suffisamment fort pour pouvoir créer un mini-abri et attaquer les Endermen en paix. Ça va être... long. Heureusement qu'au moins j'ai de la nourriture à l'infini. Bon, faudra pas manger pendant le farm, mais les perles étant la seule façon de me déplacer sur des longues distances, j'ai donc passé le deuxième jour à taper pour en avoir suffisamment. Le bon gameplay. Combien faut-il de coups de poing pour tuer en moins de 20 jours un Enderman adulte? 40. Et il drop pas à chaque fois. Je passe un excellent moment, et comme j'ai pas envie d'avoir à recreuser, j'ai continué à farmer pendant la troisième journée. Après, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons de farmer. Avec un peu de chance, après ça, j'aurais pu à le faire à la main. Petit. Pour une fois, une petite forteresse serait mieux qu'une grande, vu que je peux pas me défendre. J'ai navigué difficilement en ramassant les fleurs accessibles sur le chemin, et j'ai fait face à ma première forteresse, moyennement grande, mais avec un bateau. Bon, comment je fais ça? Je suis déjà peu gaillard à l'idée d'attaquer ces machins-là avec une armure complète, donc c'est pas d'être totalement nu qui va m'engaillardir. Et c'est encore plus compliqué de ne pas pouvoir se soigner sans se téléporter au sol. Malgré tout, avec quelques perles, beaucoup de patience et plusieurs blessures, j'ai eu mes premiers morceaux d'équipement. Une pelle en fer et des bottes. Ouais, il n'y a pas plus inutile comme outil dans l'End qu'une pelle. Où est-ce que vous voyez de la terre, vous? J'ai dû me soigner, remonter sur la structure, et une fois assez haut, j'ai sprinté car ma vie en dépendait. J'ai pu me soigner sans me téléporter pour une fois, et c'est à coup de pelle que j'ai vaincu le gardien tel un bon Enutroph. Et la récompense valait tous les camas du monde, casque, deux pioches dont une en diamant mending, et une épée en fer smite 5. Vous vous rendez pas compte de l'upgrade. Un petit free pour redescendre, je peux maintenant miner des blocs. Ça c'est déjà incroyable, mais je peux aussi farmer les perles beaucoup plus efficacement. J'ai donc récupéré quelques blocs, et direction le vide. J'ai besoin de clairement plus de pièces d'équipement pour survivre ici, mais la sixième journée n'était pas la plus folle en termes de trouvailles. Petite pause lacération d'Enderman, j'ai plus de perles. C'est passé beaucoup trop près. Effet secondaire de l'enchantement de feu sur l'épée, les Endermen se téléportent partout et ne restent pas en place. J'exécuterai donc le farm à coup de pelle, tel un homme de culture. Le huitième jour était d'une grande solitude, pas une habitation à l'horizon. J'ai donc décidé de changer de stratégie jour 9, j'ai des ailes, je vais m'en servir. C'est une technique comme une autre, comme ça je peux naviguer dans le néant encore plus vite. Je ne serais pas contre trouver quelque chose, ça fait 4 jours que je cours et vole dans le vide. J'ai refait un pilier vers les cieux et j'ai bien fait de me plaindre car mon dernier lancer était le bon. Une forteresse moyenne. Je sais où est le coffre. J'ai galéré à l'extérieur jusqu'à enfin le trouver et c'est une épée en diamant pour monsieur. Le reste est inutile, je ne peux rien crafter, mais je le prends quand même. J'ai caressé l'ombre de la mort en allant directement sur le bateau, mais heureusement que les potions étaient là. Et regardez-moi cette beauté. J'ai maintenant plusieurs pièces d'armure de grande qualité, mais presque plus de place. Ce qui m'intéresserait surtout, ça serait une pioche Silk Touch pour pouvoir transporter un Ender Chest. Ah, et j'ai eu ça aussi.
Et j'étais encore sur la route toute la sainte journée, mais pas vraiment car une autre habitation j'ai vite trouvé. J'ai fait en sorte de grimper sans trop perdre de vie et c'était le rush habituel vers le bateau. Et cette fois c'était d'un tout autre niveau, avec une pioche Sick Touch parfaite. Enfin sans mending et avec une malédiction, mais ma tolérance est plutôt élevée ici. Et il y a une autre forteresse juste à côté, ce qui serait juste parfait pour un camp. Je pourrais récupérer un maximum de blocs des deux vu que je peux pas crafter les miens. Et mon inventaire est plein donc j'ai pas vraiment le choix en fait. Je vais m'installer sur cette île. J'ai posé mes affaires, construit un pont vers la deuxième forteresse et que le démantèlement commence. Désolé, ça me brise le cœur de devoir tout vous prendre, mais mettez-vous à ma place. Je suis trop loin de mon royaume. Et c'est par le fracas de ma première pioche détruite que se conclut cette première journée de récolte. Ça va aussi me permettre d'en savoir plus sur ces structures, histoire de voir où sont tous les trésors. Et visiblement, les locaux n'ont pas l'intention de me laisser faire. Qu'est-ce que je donnerais pour avoir un arc? C'était infernal, et de pas pouvoir manger sans me téléporter n'arrange rien. C'était... fastidieux. Plus de loot, j'ai récupéré la pioche et le reste on verra après. C'était vraiment insupportable. Entre les attaques des shulkers qui font super mal et m'empêchent d'avancer, combiné au fait que les fruits violets sont une source de nourriture vraiment peu efficace, ce qui veut dire que je dois manger tout le temps, et à chaque fois je perds mon avancée. Bon, je vais recharger en perles en attendant. Le désossage se passait plutôt bien le 16e jour quand j'ai aperçu un portail en haut de la forteresse. Ça va être extrêmement utile pour le 100e jour. Bah ouais, si je veux pouvoir m'échapper d'ici, il faut que j'abatte le gardien de ce secteur. J'ai un bon stock de blocs violets, maintenant le deuxième et avant-dernier bloc que je peux utiliser. C'est aussi le seul craft que je peux faire à la main. Je veux un parking. J'ai passé les deux derniers jours à miner de la pierre lunaire. Et à la fin du 18e jour, c'est deux couches en moins, il en reste une troisième. Oui, je suis difficile à satisfaire. Je veux la plus belle et la plus grosse habitation de la région. Et c'est pour ça qu'il faut un sol plat et beaucoup de briques. Par chance, je résous ces deux problèmes en même temps. Et à la fin du jour 20, c'est tout plat. Et j'ai plus de place dans mes coffres. Parfait. D'abord retirer toutes ces plantes corrompues et établir le périmètre qui sera le mien. Ça me paraît correct. Et c'est ainsi que le 22e jour commençait l'élévation des murs de la cité du survivant. J'ai commencé par monter les piliers à l'extérieur et à l'intérieur sous l'œil perplexe des Endermen. Puis la muraille centrale a commencé à s'élever, s'étoffer, se renforcer, jusqu'à ce que je manque de blocs violets. Cette fois je fais l'extérieur et l'intérieur en même temps. Et c'est assez grand pour que je puisse manger sans sortir. Besoin de ravitaillement et j'ai surtout besoin d'escaliers et de poutres. Et c'est extrêmement compliqué de nettoyer les salles sans arc. J'ai passé la journée à faire des allers-retours dans cette deuxième salle au trésor pour venir à bout des shulkers. De stratégie, je construis un escalier vers le haut de la structure, plutôt que d'avoir à revenir par l'intérieur à chaque fois. Je ferai face au bombardement quel que soit le temps que ça prendra. Petit progrès cela dit, j'ai enfin pu éliminer une de ces vermines et récolter un peu avant de redescendre. Mais je reviens toujours. Une fois cette plateforme enlevée, ils pourront plus m'empêcher de monter. J'ai pris un plaisir indécent à tuer celui-là. De sérieux progrès ont été faits. Plus j'avance, moins mes ennemis n'ont d'endroit où se cacher. L'avancée en territoire ennemi était fulgurante jour 28 et ma pioche commence à transpirer. Elle va encaisser un autre jour telle une Sigma et on verra après. Oh, qui voilà-je. Par contre, les Endermen sont toujours autant un problème. Et j'ai fini la journée par nettoyer une autre salle au trésor. J'ai plus de pioches en bon état. Heureusement, l'une d'entre elles a mending, donc quelques lacérations verticales sont de mise. C'est beaucoup plus long qu'une ferme habituelle, mais je me demande si c'est possible d'en faire une avec ce que j'ai. There's a new king in town. Même si c'est extrêmement satisfaisant de les trucider par pack de sang, je sens qu'il y a moyen d'optimiser. Mais avant ça, il me faut un château, ou un truc qui y ressemble, un gros truc, et safe. Sous l'œil attentif des habitants de la région, j'ai élevé mes murs glorieux et j'étais beaucoup trop heureux d'apprendre que les piliers étaient craftables avec des dalles. Bon, je peux pas crafter de dalles, mais c'est mieux que rien. Et en plus, c'est toujours de piliers que je manque le plus vite. Heureusement que la banque est pas loin. Salut toi. Mon château ressemble de plus en plus à... un gâteau. Et je sais pas comment le prendre. C'est les couleurs aussi, j'y peux rien si toutes les constructions ressemblent à des glaces vanifraises. Wohanchihuan ping chilling. Ça ne m'empêchera pas d'avoir le gâteau le plus gros. Et ne dites pas cette phrase en anglais les enfants. Après quelques détails, le deuxième étage est terminé et je me demande si ça ne mériterait pas un troisième. Si hein. Ouais, je suis d'accord aussi. Je suis littéralement dans un décor de fin du monde, personne peut m'arrêter ici. Seulement les voix. J'ai vraiment l'impression qu'elles se multiplient quand je suis pas là. Les shulkers, hein, pas les voix. Parce que je vis très bien cet exil. Tu m'en diras tant. Et la prudence n'est décidément pas une option. J'ai finalement atteint le loot par l'extérieur, et c'était bien inutile. Ce qui me fait penser que je n'ai toujours pas récolté le bateau de cette forteresse. Je suis donc monté vers la plus haute tour et effectué un lancer parfait jusqu'au loot qui était... pas mal. Je suppose que du fer en protection 4 est plus efficace que du diamant sans protection. Sympa petit upgrade, mais loin du graal absolu que serait une pioche Sick Touch avec mending. Quelques dissidents disciplinés plus tard, j'ai repris la collecte. Et jour 39, le troisième étage est en bonne voie. Après, sans soleil pour se repérer, c'est compliqué d'avoir une notion du temps dans ces espaces infinis. Mon désir d'expansion et de richesse sera ma lumière. Et à la fin du 40e jour, les murs de 3 étages font fièrement face à l'ennemi. Bon, pour l'instant il y en a à l'intérieur, mais laissez-moi apprécier. Même si le ciel est plus sombre que mon âme, j'aime pouvoir regarder dans sa direction. Mais pour ça, mes stocks de verre sont grandement insuffisants. Et ma pioche Sick Touch tousse trop fort pour m'en servir à nouveau. Il est donc temps de partir en expédition, outil de soi. J'ai donc passé la journée à étendre mon escalier jusqu'à la limite absolue pour avoir une plateforme de lancement. Et il est temps de faire face aux abysses. Le décor était étrangement flippant, mais je suis tombé sur une mini forteresse en fin de vol. Et effectivement, ma nouvelle armure tanque beaucoup mieux. Je me suis laissé léviter vers la salle au trésor, et c'était sympa. Mais pas de pioche Sick Touch. J'ai continué l'exploration à pied le reste de la journée. Une autre mini
forteresse. Mes espoirs étaient hauts, il n'y avait pas de trésor. Je savais même pas que c'était possible, mais il n'y avait pas de trésor. Je suis très désappointé. J'étais sur le point d'encore me plaindre, mais j'ai trouvé de quoi étancher ma soif en fin de journée. Une belle forteresse à bateau. Correctement équipée, c'est vraiment le jour et la nuit. Je dirais même que je commence à apprécier ces conquêtes. Ne pas avoir à me téléporter 15 fois par montée, ça aide pas mal aussi. J'ai atteint le bateau avec une relative facilité, mais toujours pas ce que je cherche. Et je ne le précise pas tout le temps, mais je fais en sorte de récupérer les échelles et la tête de dragon à chaque fois. Enfin, quand j'y pense. Mais là c'était le cas. Sur les routes, me revoilà. Je me déplace avec plus de grâce qu'avant et... Ouh, qu'est-ce que je vois là? Je me suis fait balader violemment vers le trésor, mais pas de silk touch. Mais par contre, 11 diamants. Ça aurait été super utile si, je sais pas, je pouvais crafter quoi que ce soit. Ils ont une durée de vie ces projectiles ou ils suivent jusqu'à la mort? Ces coffres sont à moi. Même si ce qu'il y avait dedans laissait à désirer. Et c'est en piteux état que je me suis échappé de là. Heureusement que la nourriture est infinie. J'ai jeté quelques trucs sur le bord de la route et j'ai continué à pied. Et devant cette totale inefficacité, je me suis remis à la technique des piliers. Si seulement ça prenait pas une demi-journée à miner et à poser. Parce que c'est plutôt efficace. Mine, pose, vol, forteresse. Pas grand chose dans les coffres, mais les shulkers se défendent un peu trop fort. Après avoir perdu tous mes progrès en ascension traditionnelle, je vais y aller à l'ancienne sur ce bateau. Mine, pose, vol, et à moi le... Mais dans quel monde je suis? À quel moment c'est possible un truc comme ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? J'ai jeté tout ce qui n'était pas assez glorieux pour ma personne et repris le mine, pose... J'avais oublié... Et nous avons là une mini en début de journée. Mais pas grand chose, le mine, pose, vol sera plus court au moins. Oh... Bonjour. Avec une Sharpness 4, c'est une promenade de santé. Ouh, et une épée looting au passage. Et une pelle Silk Touch en fin de journée. Avec ça, je pourrais récupérer du verre, certes, mais pas les Ender Chests. Je dois donc continuer à chercher, mais c'est un bon début. Survivre ici demande de la débrouillardise. Et aussi beaucoup de sang-froid. Et après un lancer de qualité, enfin une pioche Silk Touch. Bon, sans mending, mais avec une autre pelle Silk Touch à côté. Je vais pouvoir collecter du verre et des Ender Chests pendant un bon moment avec ça. On n'oublie pas le reste, et il serait temps de voler tranquillement en direction de la maison. Après, si les richesses sont proposées si gentiment, qui suis-je pour refuser? Je récupère le verre accessible tant que j'y suis. J'ai galéré toute la journée pour quelques misérables trésors, et j'en suis sorti à peine en vie. Il faut vraiment qu'il se calme. Deuxième round, échec. Y a même pas de bateau en plus, et c'est là que sont les meilleurs trésors. Faut pas me le dire deux fois. J'ai mine, pose vol, vers chez moi. Oh, je reconnais ici. Et il reste du verre, c'est pas sérieux. Et même quelques trésors, dis donc. Ça se fait pas d'explorer à moitié. On peut jamais piller tranquillement ici. Ah, home sweet home. Mais du mauvais côté, il faudra que je pense à faire des ponts. J'ai pu enfin vider mon inventaire et tranquillement récolter du verre à la forteresse d'à côté. Et elle commence à plus ressembler à grand chose d'ailleurs. Après toute cette destruction, je peux enfin construire. Avec tout ce que j'ai récolté, j'ai pu à peine commencer le plafond de verre. C'est peut-être un peu ambitieux comme surface, j'avoue. Mais ambition étant mon deuxième prénom, je m'occupe des ponts avant de reprendre la destruction. Et j'ai jamais construit de pont, donc ça risque d'être compliqué de faire du beau. Surtout si les locaux me ralentissent. J'ai fini le chemin jour 60 et peaufiné les détails jour 61. Surtout l'éclairage. Le pont est construit et éclairé, il manque juste l'accès de l'autre côté. J'ai eu vite fait de m'y atteler jour 62 et le premier pont est terminé. C'est un peu plus safe qu'une bête ligne. Ils se font un peu trop dans le décor, mais bon, pas trop le choix niveau couleur. C'est la vie, que voulez-vous? Et comme je commençais à être un peu court en matériaux, j'en ai récolté jour 63 et 64. 65... Bon, 66, 7 et 8, j'ai un peu perdu la notion du temps. Et il reste plus grand chose de ce côté. Et avec tout ça, je vais pouvoir faire le pont vers la forteresse de l'Ouest. Ce sera beaucoup plus rapide que le premier. Et non, pas de vannes en dessous pour le jour 69. On n'est pas des animaux. Et jour 70, après une petite touche de déco, on fait ce qu'on peut, le pont vers la deuxième forteresse est terminé. Et il ressemble à tout ce qui se trouve ici. Je vois la vie en rose et beige. Et ce sont des blocs de verre que je vois là. Bonjour messieurs. Je constate que l'endroit n'a pas été pacifié correctement. Tout ce verre de qualité, ça me respecte plus tout de suite. Bah forcément, à l'époque, j'avais pas d'épée aussi tranchante. J'ai récupéré le verre facile accès jour 72 et ajouté à tout ce que j'avais déjà, je me suis retrouvé en tout avec 4 stacks. Voyons ce que ça donne. C'est pas mal, mais il en faut plus. Beaucoup plus. Mais aujourd'hui, je suis d'humeur à améliorer la beauté de mon domaine. À commencer par des entrées un peu plus imposantes. La structure est pensée pour en avoir une de chaque côté. Et de l'intérieur, ça rend déjà beaucoup mieux. Les contours laissent un peu à désirer. J'ai expérimenté et rajouté un peu de violet pour arranger ça. Est-ce que... Non. Par contre, agrandir les contours devrait faire le job. Non plus. Voilà qui est mieux. Allez, ça part en prod. Après avoir posé les lumières, je me suis attaqué au chemin partant de ces entrées. Tout d'abord, celle de devant, là où il y a le moins d'espace. Et après y avoir passé un peu de temps pour voir ce qui rendait le mieux, il y a que deux couleurs donc ça allait plutôt vite, en fin de journée c'était plutôt satisfaisant. Jour 76, je me suis occupé des deux autres chemins, ce qui était plutôt rapide vu qu'ils ne sont connectés à rien pour le moment, et il serait temps de s'occuper de l'intérieur de ce domaine. On en pense quoi de ça? Et au terme d'une journée de minage et posage, on commence à avoir un plancher de qualité. Évidemment, il faut les mêmes détails dedans que dehors, mais de voir à quel point mes pioches s'usent rapidement et le fait que je n'ai réellement qu'une seule pioche avec efficiency et mending, j'ai décidé de recycler cet escalier pour m'élever un petit peu. Normalement, mon idée devrait marcher. Je veux faire une plateforme suffisamment haute pour concentrer le spawn d'Enderman et faciliter les réparations. En plus de ça, la descente est satisfaisante et la montée, bien que pas très safe, l'est encore plus. Les échelles de ma cité dans le ciel m'ont traumatisé. Oui, j'aime construire en hauteur. Vous avez remarqué? Oh ouais, même avec une plateforme de taille plutôt raisonnable, ça fonctionne comme je l'avais imaginé. Le temps d'un aller-retour pour récupérer les dalles, on dirait le dessous d'un gâteau roulé. Les dalles sont importantes pour ne pas que les Enderman spawnent au-dessus de ma tête et sécuriser la zone de décimation. Et la zone est terminée. Il ne reste plus qu'à tester jour 80.
C'est effrayant, chacun d'entre eux peut m'ouvrir en deux malgré mon armure. Et en un batch, j'ai réparé ma pioche de moitié. Ce projet est un succès. J'ai fait une ferme à Enderman uniquement dans l'End. J'appelle ça une victoire pour l'ingéniosité. Une fois ma pioche réparée, j'ai étendu les escaliers pour plus de sécurité. Et c'est aussi beaucoup plus imposant. Ce qui est autant, voire fort plus important. J'ai donné un coup de jeunesse à la plateforme de lancement et ai fait un chemin vers le portail que j'emprunterai au 100e jour. Maintenant que les réparations ne sont plus un problème, je peux enfin terminer l'intérieur. J'y étais toute la journée 83 rien que pour dégager le sol et ma pioche la plus efficace commence déjà à transpirer. Vu que je n'ai rien d'autre, je vais donner à chaque coffre son espace dédié. Et il va m'en falloir un peu plus. Le deuxième quart est fini jour 84. Une fois le design en main, les autres côtés ont suivi rapidement, et jour 86 j'ai commencé le tri, et ces têtes de dragon vont à merveille avec le reste. Et en fin de journée, toutes mes possessions sont triées et stockées. Je peux donc partir l'esprit tranquille récolter de quoi terminer le plafond de verre, et surtout un équipement le plus puissant possible pour vaincre le dragon. Un petit coup d'énergie 3000 pour ma pioche en arrêt maladie, et squalala. Et squalala ce fut jour 88 quand je suis tombé sur une forteresse arrogante. Des pioches efficiency, je prends tout. Donnez-moi ces vitraux. Ceux du bas sont faciles d'accès, par contre ceux du haut, c'est déjà un peu plus compliqué. Mine de rien, il ne reste qu'une dizaine de jours avant de faire face aux gardiens de ces lieux, donc je ne vais pas prendre trop de temps sur les hauteurs. J'ai repris la route et trouvé une forteresse plus fine qui était déjà beaucoup plus facile à gérer. Même si on dirait pas. J'ai pris ce dont j'avais besoin et on décolle. Et c'est commun les mini ici. Après quelques lancers de perles, hippity hoppity, j'ai pris le verre et suis parti. Je ne pensais pas que les petites forteresses pouvaient avoir un bateau, mais je prends. J'ai d'abord looté la tour principale avant de m'attaquer au loot le plus juteux. Petit conseil, quand il y a plus de malédictions que d'enchantements, ça ne vaut pas le coup. Et un casque de remplacement parce que le mien va pas durer longtemps. Mon inventaire est quasi plein, mais on continue la chasse. Et c'est une belle forteresse moyenne avec bateau dans mon viseur. J'espère vraiment avoir assez de verre après cette session, les 100 jours approchent à grands pas. Ces fruits m'ont sauvé la vie un nombre incalculable de fois. Évidemment, si mon casque est cassé, je vais prendre plus de dégâts. Certains me demanderont sûrement pourquoi je m'embarrasse avec l'or, le fer et même le diamant si je ne peux rien faire avec. La gloire, voyageur. La gloire. Jour 93, j'ai continué l'exploration, mais en direction de la maison. Je ne suis qu'à quelques mines post-vol de mon territoire. Nous pouvons observer ici quelqu'un qui commence à en avoir marre d'avoir à miner 3 stacks à chaque fois qu'il veut décoller. Notez les mouvements de bassin pour rajouter du mouvement à une activité beaucoup trop monotone. Heureusement, les verts pâturages minecraftiens ne sont qu'à quelques jours de survie. Et le 94e jour au soir, j'ai retrouvé le confort de mes terres. Je vais construire le mirador avant de construire le plafond, histoire de voir la place qu'il prendra. En commençant par l'escalier central. C'est presque une œuvre d'art, j'hésite à le laisser comme ça. Il y aura des chemins pour y accéder de l'extérieur. Doucement. Oups. Je disais donc des chemins, et symétriques par rapport au sol, c'est très important. Et je ne pensais pas que ça arriverait, mais au milieu de la construction jour 97, j'étais à court de blocs lunaires. C'est bizarre, j'ai pas construit grand chose à part un manoir trois fois trop grand, un escalier vers l'infini et une trentaine de piliers pour voler. Ouais. Étrange. On reprend. Ce mirador mis à mort ne va pas se construire tout seul. Le but, c'est de pouvoir regarder sur mes terres sans avoir à me soucier des sauvages. Pour éviter ça, heureusement que les pierres sont faciles d'accès. J'ai passé un moment pour réfléchir à comment rendre ça un minimum joli, puis je me suis rappelé qu'on était dans l'End. Heureusement que j'habite à côté de ma mine violette, on est jour 98 et j'ai pas envie de finir dans le lac. Je préférerais finir dans l'étang. Et après quelques détails, le mirador est terminé jour 99. Bon, c'est très carré, je vous l'accorde, mais moi j'aime bien. Maintenant, finir le plafond avant la 100e cloche. Il se peut que cette journée dure un peu plus longtemps que les autres. Est-ce un problème? Demanda le maître. Faites des bébés, lui répondirent les voyageurs. Des détails. Après avoir fait quelques corrections, le manoir est enfin terminé au 100e jour. Et j'adore la vue de l'intérieur. J'ai grand hâte de retrouver la terre ferme. Et pour ça, j'ai préparé mes meilleurs équipements pour aller vaincre Andy. Je dois avouer que je suis plutôt fier d'avoir réussi à accumuler un tel confort en 100 jours dans la dimension la plus vide et inhospitalière du jeu. Et c'est un aller sans retour. Une fois le portail passé, je n'ai aucun moyen de revenir avant d'avoir vaincu le gardien de ces lieux. Et après avoir survécu à tout ça, il est enfin temps de sortir d'ici. Et c'est comme ça que j'ai survécu 100 jours, en hardcore, dans l'End. Bye.
va y avoir du sport.